parole, permettez-moi de vous saluer très respectueusement et de dire toute ma joie et ma fierté d'avoir été choisie pour vous adresser le mot de bienvenue au nom de mes deux directeurs. Le collège Jeune Fille Athéna, par ma voix, vous souhaite la traditionnelle bienvenue en ivoirien à Kwaba. Qui existent, qui ont réussi et que vous aussi vous pouvez le faire parce qu'elles ont eu le même âge que vous, elles ont eu la volonté. Ce qui manque, c'est l'encadrement et le rêve. Parce que parfois on peut être là, on peut faire des choses, mais on se dit, mais c'est fou, est-ce que moi je peux arriver là-bas? Vous ne réussirez pas au premier coup. Je suis arrivée au collège, puis j'ai constaté que je ne connaissais rien en physique. Voilà, la physique, c'est pas mon truc. Donc, bon, je change de mentalité en me disant que je viens contact. Ma propre marque de vêtements depuis petite. Et puis, bon, mes parents ont toujours négligé ça quand je leur parle de ça. Ils préfèrent plus que je fasse le droit. Bon, j'aime le droit, mais je veux vraiment lancer cette marque. Un jour, ma grande soeur m'a dit que je ne sais pas m'exprimer en français, que je dois être une artiste. Des jours, ils portent la même tenue. Est-ce qu'on peut avoir un autre tissu qui leur permet de pouvoir porter la même jupe bleue du lundi au vendredi? En fait, c'est quelqu'un qui déteste une idée et puis qui a envie de changer les choses en fait. Donc ça aussi c'est un autre type d'entrepreneuriat. Et là c'est ton idée à toi-même. C'est pas l'idée de quelqu'un d'autre dans laquelle tu es en train de développer, mais c'est ton idée à toi-même et tu te bats pour la porter de l'avant. Ce que moi je peux vous dire, c'est d'avoir confiance en vous. Mais avant d'avoir confiance en vous, c'est de savoir qui vous êtes. C'est de fixer vos objectifs. C'est de ne pas laisser quelqu'un vous transmettre sa peur. Soyez honnête envers vous-même. Quand vous avez fait quelque chose qui n'est pas correct, regardez-vous et dites-vous, j'ai mal fait. Excusez-vous. Avancez. Merci à Elvise, Maïk, qui est arrivée de Corogo hier, qui est aussi d'Abidjan. Merci à vous. Et je saurais ajouter d'autres mots de motivation qu'elles n'ont pas dit. C'est clair qu'elles ont porté mieux le message que moi.